Bonjour à tous, bonjour la team Miquette, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Sea of Conquest. C'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir. Allez les voir si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo pour vous parler des premiers événements du début de jeu. Donc il se trouve ici. Donc au début du jeu, vous aurez les 4 premiers événements. Voilà, au lancement. Donc là, il n'y aura pas trop de complications. Il faudra juste vous connecter tous les jours pour avoir les récompenses qui sont là. Donc là, de ce côté-là, il n'y aura pas de soucis. Après, vous aurez sur les traces du roi des pirates. Donc vous aurez des missions à faire qui se déverront tous les jours pour avoir le maximum de récompenses, en sachant qu'ici vous aurez une héroïne violette et ici un bon petit bateau violet, donc intéressant à avoir. Donc je vous conseille fortement de faire toutes les missions qui demandent. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'il vous propose comme mission. Donc là, je vous montrerai les autres jours parce que là on les voit pas débloqués, donc je vous montrerai à l'avance les missions qu'il vous propose. Comme ça, si jamais vous voulez prendre un petit peu d'avance sur le jeu, eh ben vous verrez tout. Donc je vous ferai une autre vidéo du deuxième jour. Donc là, il vous demande le niveau d'aventure atteint, le niveau 15. Donc, là dessus, ici, il faut que je tout montre, hein, niveau 15. Je pense que ça c'est le niveau général. Au niveau 15, niveau 9, donc c'est ça. Le vaisseau amiral atteint le niveau 6, donc il faut que tu améliores ton bateau. Donc ici, tu améliores ça, la cabine du maître, là, niveau 6. Actuellement, je suis niveau 3, donc il va falloir se dépêcher. Après, posséder un héros de niveau 15 5 fois, donc c'est à dire qu'il faut que tu améliores au moins tes 5 premiers héros niveau 15. Donc ça, il n'y aura pas trop de difficultés, je pense. Il faudra même améliorer les petits du début pour bien avancer. Recruter des héros 20 fois. Donc ça, n'hésite pas à recruter. Je pense qu'après, tu vas gagner pas mal de récompenses pour pouvoir recruter. Donc là, de ce côté-là, il n'y aura pas de souci. Pratiquer l'astronomie une fois. Donc là, je clique dessus. Je n'ai pas encore l'astronomie, je pense pas. Quartier des rameurs, l'astronomie, stockage, quartier des rameurs, entraînement, stockage, divertissement. Personnalité, relaison, astrologie. Vous voyez, il faut être au niveau 6 du bateau pour l'avoir. Donc il faut se dépêcher d'être au niveau 6 pour avoir celui-ci, pour vous le faire, pour pouvoir avoir le... Combien de fois il faut le faire? Pratiquer au moins une fois. Donc il faut vite monter votre bâtiment au niveau 6. Bon, si vous montez ça, vous avez celui-ci en même temps. Voilà. Utiliser la puissance du sablier pour accélérer un total de 300 minutes. Donc, à mon avis, c'est quand tu fais une amélioration, tu mets le sablier pour améliorer plus vite. Voilà. Et pour finir, la dernière du premier jour, terminer l'épreuve 1. Fasse l'épreuve 1-10 de tes missions, donc j'ai pas encore, ce sera après, à mon avis je vais avancer les missions principales et après j'ai les aurais qui vont avancer. On va voir si c'est 1-10, je sais pas encore, enfin j'avance un petit peu dans le jeu. Voilà. Après, vous l'événement en mer, donc obtenez de la puissance, voyez. Ah, c'est pas compliqué, il faut montrer votre puissance de bateau. Il faut arriver à 3 800 000. Actuellement, je suis presque à 300 000. Il vous faut faire 8 jours. Donc, si exponentiellement, il faut 3 fois 5, 35, c'est ça, je ne me trompe pas. Il faut que vous gagnez environ 500, un peu plus de 500 000, entre 500 000 et 600 000, en gros, par jour pour pouvoir monter et finir l'événement. Donc là, il fallait avoir carburé. Voilà. Et pas très bien.
Et pour finir, vous avez le voyage en mer qui vous aidera pas mal, je pense, pour gagner pas mal de petites récompenses que vous voyez ici. Voilà. Oh, vous avez un petit. Ah, c'est un événement du mois. Ça passe. Donc, il y a un personnage violet, des cartes, des aventures. Ok, pas mal. Il y a pas mal de personnages à avoir et des créteaux. Donc, ici, il faut faire toutes ces missions-là pour pouvoir avoir et monter tout ça. Donc là, vous voyez, il faut faire des visites de nouveaux ports. Donc là, dans la carte, il faut venir ici et visiter tous les ports comme ça à visiter. Voilà. Il faut tous les visiter pour avoir pas mal de points. Après, ici, trouver des trésors indiqués sur les cartes au trésor. Donc là, il faut juste... Quand vous allez sur une nouvelle île, il y a une petite boussole, vous cliquez dessus. Ça vous envoie faire des trésors. N'hésitez pas à envoyer à chaque fois. Vous allez sur une nouvelle île, vous faites ça, vous avez ça, et vous cliquez dessus à chaque fois. Découvrez de nouvelles espèces de poissons. Donc ça, pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Ah bah voilà. Pourquoi ça ne marchait pas? Il va falloir que je pêche. Ah, il faut que j'attende un petit peu que le poisson morde, je pense. Attendez que ça mord. C'est un pas que tu pouvais pêcher. Ah voilà. Et voilà, j'ai le premier poisson. Voilà. Ok, je savais même pas qu'il y avait ça. Et pour finir, le dernier à avoir. Vous voyez. Enfin, que je pêche pas mal de fois. Et pour finir, le dernier, obtenir de nouvelles recettes pour les plats et les poissons. Les boissons, pardon. Donc là, il va falloir que vous créez. Je pense... Peut-être là, armurerie, rameur... Cuisine, ah c'est la cuisine. Préparez vos plats et vos provisions. Donc, c'est celui-là, faut que vous soyez niveau 4 pour pouvoir faire tout ça. Donc il va falloir faire un maximum de points pour pouvoir bien monter le voyage en mer au maximum. Voilà les débuts d'événements que vous avez au début du jeu. Eh bien, bonne chance à vous pour les monter. Moi, je croise les doigts pour y arriver. Donc là, il y a peut-être des chances. Là, il faut que ça soit un maximum combien? Pas mal de petites récompenses. Il faut viser. Ah, vous avez jusqu'à 1870, c'est tout? Je pensais de monter plus tard. Bon, peut-être que ça va avancer après. Et voilà. Voilà tout ça. Eh bien, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu sur la vidéo et à cocher la cloche. Merci à vous. Allez, bonne journée à tous et bonne game. Ciao, ciao.